Et là, j'ai ma femme qui rentre, mais comme une furie dans la pièce, et qui me dit, oui, c'est scandaleux, j'ai tout entendu. Tu défends un obsédé sexuel et l'égalité des sexes, qu'est-ce que tu en fais? J'en fais rien, c'est quoi cette question? Moi, la dernière fois que je me suis intéressé à l'égalité des sexes, j'étais en 5e et je mesurais ma bite avec un double décimètre pour mon copain Jean-Jean pour savoir lequel avait la plus longue. Je vais vous dire si ça m'intéresse. D'ailleurs, si on veut parler de l'égalité des sexes, il va très vite falloir qu'on se mette d'accord sur les normes avec les Africains. C'est plus possible. Nous, on est aux normes standards européens, eux, ils sont aux normes OGM, objet gigantesque qui fait mal. Mais je sais pas ce qu'ils foutent sur leur bite pour les faire grossir, les Africains, mais c'est abusé. Par exemple, là-bas, en Afrique, c'est pas des doubles décimètres qui mesurent leur bite, c'est directement des tronçons d'auto. Non, moi, je dis clairement, si on les convertit pas rapidement au judaïsme, les Sénégalais, on est foutus, hein. Une bonne circoncision. Une bonne circoncision d'une bonne moitié de la bite, voilà. Non, mais c'est vrai. L'égalité des sexes, pourquoi en reparler? Je croyais que c'était clair pour tout le monde. Je croyais qu'il y avait une hiérarchie. L'homme, le chien, la femme. Oh. L'égalité des sexes, ça veut dire que la femme va vouloir remplacer le chien, c'est ça? Non, je veux bien en discuter, je ne suis pas fermé. Mais clairement, je doute que la femme ait des capacités. Pour se lécher les couilles. Faut quand même mieux avoir des couilles. C'est pas la misogynie, c'est la logique. Et pourquoi est-ce que la femme voudrait pas remplacer l'homme tant qu'on y est? Ben là, ce serait la fin du monde. Hein. Parce que si moi, je dois m'occuper des bébés, moi, je dis clairement, on va commencer à vendre des billets, je vais vous remplir le Stade de France, parce que là, ça va être un vrai spectacle. Chérie, le bébé, il a fait caca, qu'est-ce que je fais? Ben, change-le à bon peu. T'as gardé le ticket de caisse, ce magasin? Non, mais de toute façon, ça ne marchera jamais, l'égalité des sexes. Ça ne marchera jamais, parce que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Ça m'écorche un peu la gueule de devoir le reconnaître, mais les femmes sont supérieures. Je sais, c'est inattendu. Elles l'ont prouvé. Le string. Le string, moi, je peux pas. Elles peuvent, si ça, c'est pas une preuve.